Bonjour et bienvenue. On doit manger et boire. Hop là. Bonjour et bienvenue pour notre survie du week-end. Oh, le bruit. Nouvel épisode 1. Hmm. 500 calories. Ça va être un peu chaud. Enfin, ça va être... Non, ça va pas être chaud, mais j'ai pas envie de taper, en fait, dans les... Alors, on va prendre ça. J'ai pas trop envie de taper dans nos réserves, mais ouais, on est un peu obligé. Après, on a les massettes aussi. Alors, on va y aller, on va partir. On est à 40 sur 45, c'est magnifique. C'est magnifique. Ah, on arrive un peu à voir, à distinguer, ouais. Pas beaucoup, hein, mais on y arrive. Ok. Lève-toi. Le charbon, on va le laisser ici. Ah, quoi que, on peut en prendre un peu du charbon, honnêtement. C'est jamais... On est à 41. Ouais, c'est bon. On va devoir prendre une corde, donc c'est pour ça que je me charge pas trop. Donc, il faut absolument ne pas oublier... Ne pas oublier les bois qu'on a laissé de côté. Parce qu'on en a laissé beaucoup. Ça, c'est important. J'aime beaucoup les bruitages des mines et des grottes et tout ça. Ah tiens, une question. Est-ce que vous jouez avec les musiques ou pas? Alors, j'avoue que les musiques sont bien du jeu, mais des fois je me demande si en fait on devrait pas tout simplement couper les musiques. Parce qu'il y a des musiques d'ambiance et tout sympa, mais... Depuis le Season Pass, j'ai l'impression que des fois elles sont trop présentes et tout, elles crient trop, alors pourtant que je les ai baissées. Hein. Mais ouais, je sais pas, c'est un peu étrange. J'ai l'impression que des fois elles sont un peu... elles tombent pas au bon moment, on va dire. Oh, j'espère qu'il fait beau. S'il vous plaît, pas de... Yes, nickel. Nickel, nickel, nickel. Ok, nickel, il fait même pas très froid, très bien. Alors, donc ça c'est la sortie de la grotte. Donc faites gaffe quand vous sortez. Ok, on va se bouger les fesses parce qu'honnêtement on a un super beau temps. Ok, très bien. Ouh, beau, beau, beau. Enfin, on a un super beau temps, donc faut en profiter. Ok. Très bien. Par contre, c'est quoi l'arnaque là? C'est un peu l'arnaque là. Non, ça va. En fait, non, c'est pas si haut que ça. Ok, nickel. Ça, avec l'impression, parce que vu que c'est du blanc sur du blanc sur du blanc. On n'a pas vraiment des fois la notion de profondeur en fait. Donc hop, on est à 41, c'est bon. On peut même reprendre notre bouteille. 42, 68, ok, let's go. Vous voyez, c'est dangereux hein, cette grotte. Hein. C'est dangereux en fait à cause des cordes, donc il faut être équipé. Faut avoir un sac de couchage, faut avoir des bons vêtements pour résister au froid. Le sac de couchage, ça permet de récupérer de l'endurance, évidemment. À la limite, essayez d'avoir du café. Je devrais regarder ce qu'il y a sur la corniche. Des fois, il y a des choses, des fois... Mais c'est rare, honnêtement, c'est super rare. C'est pour ça que je m'arrête jamais, moi, maintenant, sur les corniches, vu qu'on a les crampons. Ouais, non, laisse tomber. Pas grave. Ce n'est point grave. Vous voyez que là on est tellement bien équipé en fait, ils vont nous sortir le je sais plus le nom du machin qu'on va traîner derrière nous là, qui va nous permettre de se trimballer genre une maison dessus. ils vont nous sortir ça, non, on n'en a plus besoin du tout. On est déjà à 45 kilos genre constamment. Si jamais on mange pas, on retombe à 40 kg, donc honnêtement, ça va. Donc ouais, c'est pas vraiment...
problématique. Voilà, on repasse par là. Nickel. On n'a pas récupéré toute notre vie, tiens. C'est intéressant. C'est quand même beaucoup de... On avait perdu quand même beaucoup de vie. Par là-bas. J'avoue que normalement, je fais ça un peu mieux. C'est-à-dire un peu plus... sécurisé. J'évite, en fait, de trop rester à l'extérieur et tout, ça. Là, ça fait un petit moment qu'on... qu'on reste tout le temps à l'extérieur. On n'a pas de maison, quoi. On n'a pas de lieu. Mais bon, ça c'est parce que je connais. Donc faites pas ça si vous connaissez pas vraiment les lieux. Hein. C'est extrêmement dangereux. Mais voilà, moi je connais, donc on fait un peu ça. Après, un truc qui va être intéressant, ça va être... Oh, il y en a tellement de bois. Ça va être... Alors, attends. Est-ce qu'on peut descendre en dessous? Des 45 kilos, ça serait vraiment bien de descendre en dessous des 45 kilos. Ça... Ah, il nous manque encore un kilo quand même. Ouais, l'objet là qui nous permet du coup de trimballer plein de matos et tout ça, ça risque d'être intéressant en fait si on veut rester à mobile et genre pas vraiment avoir de maison à la limite. Mais bon, ça dépend en fait à comment ça va être utilisé. Honnêtement, j'espère vraiment qu'ils vont pas merder. Ouais, on est à 46 kilos. Je peux pas faire moins, à moins de déposer des choses. J'espère vraiment... En plus, c'est marrant parce que dans un sens, j'avais toujours dit ça serait bien de pouvoir genre jeter notre sac et tout ça. Bah du coup, en fait, on va techniquement pouvoir faire ça. Genre, on pourrait voyager très léger sur nous. Genre quasiment pas, genre à 30 kilos. Et après, avoir tout sur le bordel. Et le bordel, on le laisse quand on doit courir ou des trucs comme ça. Ouais. Mais ouais, j'espère qu'ils vont pas le foirer. Parce que je pense beaucoup à ça en fait. À ce que ça peut nous apporter. Pour moi, ce que ça m'apporterait, ça serait de vraiment être tout le temps en mouvement. Ça peut être marrant ça. Là aussi, il fait chaud, vous voyez hein, la chaleur. Donc c'est un bon endroit si vous voulez vous reposer. Ouais, pour moi, ça serait pouvoir être tout le temps en mouvement. Genre, si on veut du bois, on peut l'emmagasiner dans le machin. Genre, comme ça, on s'arrête un peu où on veut et on fait du feu directement. Mais voilà, mais s'il foire le machin et que c'est pas utile... Que genre on peut mettre que par exemple 20 kilos dedans, ou alors que quand on le traîne derrière nous, genre ça nous ralentit à fond. Genre si on n'a pas la même vitesse, ça m'étonnerait qu'on ait la même vitesse de toute façon. Mais honnêtement, si on n'a pas plus ou moins la même vitesse que quand on marche, c'est mort. Honnêtement, c'est mort, ça servira à rien. Ce qu'il faut faire à la limite, c'est que ça nous empêche de sprinter. Genre pour le sprinter, il faut le détacher de lui, vous voyez. Ça c'est bien, ça serait vraiment cool. Moi ça me dérangerait pas ça. Du coup on est bloqué à ne pas sprinter. Ça peut être dangereux, mais ça bloque pas non plus... Attention. Ça bloque pas non plus... nos mouvements. Ok, très bien. On va continuer sur cette... Je crois que au bout, quand on y arrive... Attends, on a vraiment pas froid, c'est bien, ça c'est cool. Ouais, 1 degré. Quand on arrivera au bout, on tombera sur un village, je crois. Par contre, sur le chemin, je crois qu'il y a un ours. Ah non. Oh non, il faut passer un... Oh là là. Je sais que des fois, il y a différents chemins aussi. Genre là, on peut aller là ou la gauche, je crois. Là, il y a un autre... Ouais, quoi que peut-être pas, je sais pas. Par contre, vous avez vu, on a... Apparemment, on a dessiné des bois. Bon. Alors, faut faire attention parce qu'en fait, on peut tomber... Si je dis pas de bêtises, on peut tomber que sur des côtés. Donc, vous voyez, c'est ouvert des fois. Mais le truc, c'est que ça bouge, donc des fois, notre personnage va s'accrocher. Oh la vache. Va s'accrocher. Et en fait, on passe par le trou facilement.
Ok, c'est bon. Non, je crois qu'il y avait un cadavre, mais en fait, non. T'as vraiment faim? Ouais, t'as vraiment faim. Ok, on est bon. Je crois qu'il était là la dernière, une des saisons où j'ai combattu un ours. Je sais plus. Ah, ça c'est les bois qu'on a dessinés. Je sais qu'il y avait un ours en hauteur en tout cas. Je sais qu'il y en avait un. Ça, je me rappelle. Ça aussi, je comprends jamais pourquoi le premier bâton qu'on fait, il n'y a pas de bruitage, et après il y a un bruitage. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est parce que je cours ou enfin je marche en même temps, je sais rien. Ok, on a toujours. C'est toujours bon. On va en profiter pour dessiner un peu. Ah, nickel. Ce serait bien qu'on arrive à un camp avant la nuit, en fait. Parce que, oui, là, on est un peu décalé. Mais bon, on s'est fatigué, en fait, en courant. Enfin, non, pardon, en montant la corde. Donc, du coup, ça va, on va pouvoir se recaler et dormir la nuit. Allez, encore un truc, ça va être le fun. Je me demande s'il y a des choses qui peuvent apparaître sous le pont. Oh là 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 là. Regardez pas en bas. Oh la vache. Oh mon dieu, j'aime pas ce truc. En fait, faut un peu... ignorer les cordes sur les côtés, je crois. Il faut juste suivre le pont. Je crois que c'est le mieux. Genre, suivre les planches, en fait. Si vous faites le coup d'Indiana Jones, bonne chance aussi. Mais bon, on n'a pas d'épée, donc ça va. Hop là. Un lapinou. Alors, maintenant, la question c'est de quel côté? Il fait pas très jour. Ah, je dirais pas non pour faire cuire un... Faire cuire un morceau, en fait. Ok, on va faire cuire le steak là qu'on va récupérer. Il doit sûrement avoir au moins 1 kg, j'espère. Et on a les lapins, donc on va faire les lapins aussi. Les lapins qui se baladent. Parce que là, on va commencer à taper dans toutes nos réserves de nourriture en boîte, là, tout ça. J'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie. Alors, par contre, je veux pas perdre le bœuf, donc faut pas exagérer non plus. Enfin, j'aurais peut-être pas dû manger ça. Enfin, le problème, c'est que ça bouffe tellement d'eau, donc c'est dans un sens dangereux, en fait, ce truc. Ouais, très bien. Nickel.
fait un peu froid, j'ai un peu froid aux mains, donc je sais pas si je vais pouvoir y arriver. Ça va. Nickel. Faut tirer un tout petit peu plus haut à chaque fois, j'ai remarqué. Ouais. Que la cible. La flèche a tendance à aller un peu bas, basse. Ok, très bien. Bah voilà, nickel. Nickel, nickel, je suis content, ça se passe bien. Cette minute. Attendez, on va faire ça, recycler. Minutes, très bien. On va manger ce qu'on a. Il est où notre stack déjà? Deux minutes. C'est pas un peu long. 1h20, 20 minutes, 26 minutes. Je dirais pas non pour prendre la peau en fait du cerf plutôt que les lapins, parce que les lapins on peut les trimballer sur nous. Voilà, 9 minutes. On va manger ça. Voilà, regardez-moi ça, ça remonte. C'est bien. Ouais, les lapins, on peut se les trimballer sur nous. On va couper les boyaux, comme ça, normalement, elle jette le boyau en premier. Ouais. Allez, on prend ça. On est un peu lourd, hein. On doit être à, ouais, à 50 kg. Enfin, faut se dire qu'on est à 5 kg de plus que le maximum. Donc c'est, au final, c'est pas énorme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça qu'il faut le voir. Ok, 1 degré, très bien. Donc on n'aura pas froid pour le moment. Alors, par contre, je sais pas... Bah du coup, c'est pas par là, en fait. C'est par là-bas. On est un peu lent, mais bon. On devait faire une pause casse-croûte. Attends, nous on vient d'où? Oh, je me rappelle plus. De là, hein. Donc on va aller là, je crois. Je suis perdu. Attendez, on va dessiner. C'est vrai qu'on est un peu lent là, oh la vache. Où est-ce qu'on est là?
Je crois qu'on est proche du campement, mais je sais plus par où on y accède en fait. Ah mais attends, non, il y a une partie à gauche, je crois. Non mais j'ai pas vu la partie en fait. Oh, je prends des plumes. Non, là-bas, là. Le nom vient de ce pont-là comme ça. Oui, non, c'est bon, c'est ça. Je crois que ça doit être ça. Pas du tout. C'est un cul-de-sac. What? Hmm. Je comprends pas là. Parce que là on n'a pas vraiment de lieu. Faut revenir en arrière. T'es sérieux? C'est un cul-de-sac ou je suis débile? Ah, si c'est un cul-de-sac, c'est con. On n'a pas d'endroit en fait pour dormir. Ah, ok, c'est bon. Ouais, je me disais aussi. Je me disais, ça serait complètement con de faire un pont dans un cul-de-sac. Tu vas sur un cul-de-sac, il n'y a strictement rien. Voilà. Bah voilà, on a perdu notre échauffement, bravo. Bravo. Allez, monte. Oh là là. Ça doit pas être fichu de lever les jambes, ça c'est. Je crois qu'il y a un passage à gauche. Peut-être des objets, tout ça, récupérer, mais on verra ça plus tard. D'abord, en fait, dans cet épisode, je voudrais m'installer. Je veux qu'on s'installe. Parce que là, tourner en rond comme ça, c'est un peu la galère. Ça doit être là-bas, je crois, le village, je me rappelle un peu. Non, on est proche. Ouais, c'est en descente là-bas. Est-ce qu'on a encore des torches ou pas? 49%. Après, il fait pas extrêmement froid, on n'a pas vraiment besoin. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on peut la balancer. Ah, il y a peut-être des loups et tout. On va garder le feu pour le moment. C'est quoi ça? Bois. Prends le bois. Ah, je crois que c'est là le l'ours. Ah, vous avez vu, on a chaud ici. Oui, il y a des ossements. Alors, attendez, on va se mettre... On est grave ralenti parce qu'en fait, on est considéré comme dans une grotte, en fait. Ouais. C'est lui, là? Oui, c'est lui, ça bouge. Faire ça.
En fait, j'ai un peu de surplus en poids là. Je peux pas trop courir. Ouais, ouais, je sais. Je sais. Tais-toi. Tu vois pas qu'on essaye de tous les deux de s'éviter? Hein? Tiens! Ah! Fais-moi le con. Ah non, pas là-bas, merde. Ah, fait chier. On est bien placé en plus. Il a pas pris feu. Il revient. Attends, c'est lui là? Ah, fait chier, il revient ce con. Bon, on va devoir perdre une flèche, je pense. On va lui tirer dessus. J'aurais dû peut-être lui tirer dessus. Je pensais qu'il allait courir, genre peut-être. Bon, il y avait peu de chance, mais. Genre qu'il court par là. Comme ça, on continue notre route, mais bon. Bon, du coup, ça nous aide pas. Bon, allez, ramène tes fraises. On a 40 kilos, ouais. Là on a 10 kilos de plus, par contre. Ça commence à être très fatigué. Allez, ramène-toi. On te transforme en porc épique. En ours épique. Tu vas devenir épique, tu vas voir. Mais non, si ça lui a fait des dégâts, la torche, je pense pas. Si on lui fait un headshot, qu'on le one-shot, ça me ferait vraiment plaisir, mais bon. Ouais, il est en train de partir. Ok, très bien. Je vais être honnête, il y a de grandes chances que lui on le retrouve par contre. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'endroit où se cacher ici. C'est plus ou moins ligne droite et on est en hauteur. Donc là, un headshot comme ça. Je dirais qu'il va, se vider de son sang très vite. Je voudrais juste m'installer, genre lâcher tout notre bordel parce qu'on est super lourd. Peut-être qu'après on y retourne parce qu'il fait pas très froid. Donc peut-être qu'après on peut le retourner voir si on peut trouver son cadavre ou le finir. Donc déjà niveau nourriture on est bingo, hein. Il n'y a pas de problème. On est bon. Je crois que la difficulté d'atteindre ce campement, qui est honnêtement pas mal, il y a une maison je crois là-bas, oui on la voit là, et il y a une maison où on va crécher là, il y a même un atelier je crois, mais voilà, le seul problème en fait c'est de l'atteindre, de un, il y a des ponts et tout, c'est chiant, mais de deux c'est de combattre le résident, c'est-à-dire l'ours. Ah voilà, ça c'est un... Je me rappelle que... Ça là, l'atelier là en bois, qui était nouveau du coup, si je me rappelle bien, il avait été changé de place. Tiens, il y a une lettre, on verra ça après. Il avait été changé de place pendant qu'on jouait. Oh non, putain, on voit strictement rien. Je me rappelle, parce qu'elle venait de sortir la zone, il y avait quand même pas mal de problèmes avec la zone, comme d'habitude. Et du coup, ouais, il y a eu des changements comme ça. Ma main a coupé que ça s'était passé, ça. Hop. Alors, c'est vraiment de l'or. Il y a des quantités pas croyables. Jesse veut aller encore plus loin, mais on attend que le contremaître nous donne le feu vert. Le filon qu'on a trouvé a l'air de ne pas avoir de fin. Il faut juste qu'on fasse attention. Okay. Peut-être pour nous montrer la mine encore, mais bon, nous, on l'a déjà trouvé.
Oh, il y a un livre là. Oh la vache. Bien, bien caché. Alors, attendez, on va faire ça, parce que je veux pas utiliser la lampe. On pourrait peut-être dormir, limite. Ça fait tellement de flèches. Je me déplace en fait quand je sors de l'inventaire pour pas tout mettre ensemble. Bon après ça on verra ça plus tard. Hop, très bien. Ouais, on va peut-être dormir, on va peut-être dormir. On va finir d'épecer les petits lapins là. On va dormir quelques... Enfin non, on va dormir la nuit honnêtement. Et après on va ressortir. Le machin doit être mort honnêtement. Le l'ours doit être mort. Et sinon s'il est pas mort... Bah déjà il va nous repayer une flèche. Il va nous repayer une flèche. Parce que les flèches c'est pas... Ça court pas les rues. Voilà. Ok, lit. Très bien. On a une tempête. On n'est pas au max. On peut encore dormir un tout petit peu. Ça m'embête un peu la tempête. Ok, très bien. Ah, mais j'ai dépecé, j'ai pas posé. Ok, 43 kilos. Pourquoi on est encore aussi lourd? Oui, le bois. Bien. Okay. Pour l'instant, on va mettre ça là. J'ai oublié de faire ça. On va laisser ça là. Alors, je vais m'absenter un moment. Tu peux te tenir dans ma réserve si tu veux. Tu peux. Te servir dans ma réserve si tu veux. Okay. Okay, cabane. Ok. Oh! Clé de souvenir, cool. Ok, on va chercher la réserve après. Ça. Okay. Ouais, il fait pas très chaud. Je rêve ou les bois ils sont coupés? On est jamais venu là. Quoi cette arnaque? On entend des corbeaux. Là. Et là, voilà. Vous voyez? Parce qu'on est niveau 5 en fait. Le saignement est tellement important. Que la plupart du temps, si vous voulez pas combattre, vous vous rappelez le dernier ours qu'on a tué, on l'a transformé en porc épic. Le machin, il avait 7 flèches plantées dans la tête. Elle est où ma flèche, par contre? Ouais, non, elle est pas là. Ça? Non, ça c'est ma torche. Je crois qu'on a perdu la flèche, par contre. Ah non, elle est là. Elle vole. Ok, nickel. Ouais, parce que normalement, elle doit être sur le cadavre. Elle doit être sur le cadavre. Bon, je sais qu'il fait un peu froid, mais ce que je voudrais quand même, c'est... C'est deux steaks. Parce que on va avoir besoin de calories. On ira récupérer la peau après. Faut qu'on d'abord qu'on fasse un peu le plein de bois parce qu'on n'a pas de bois. Il y a des bruits là-bas. Faut qu'on aille voir ce que c'est.
Ah, c'est des bois coupés. Bien. Stimulant d'urgence qui apparaît pas. J'ai cru que c'était corrigé ce bordel, mais apparemment non. Ah, on peut s'abriter là. Ouais, c'est pas mal. On peut s'abriter là et utiliser l'établi. Je me rappelle, je faisais ça. Parce qu'avant, l'établi, je crois qu'il était où? Contre cette paroi ou à l'extérieur contre une des parois? Mais je crois que c'était là, en fait. Je crois que c'était ici. Par contre, je vais mettre... tout ce qui est bois... là-bas. Pas là-dedans, parce que ça sert à rien, honnêtement. C'est beaucoup plus simple de juste le mettre là. On a froid, je sais, mais c'est pas grave. De toute façon, on va rester un petit moment là. Ah, j'ai les... Ah, les steaks, j'aurais pu les mettre dehors. Fais voir si... Ouais, il va falloir les faire assez vite, hein, les steaks. Alors par contre, la réserve, elle est où? Parce que nous, on n'est pas là. Hein. Putain, on va falloir retrouver la cabane. Ah, la... ah, mais ça, je crois que c'est la cabane qui est au centre. Oui, c'est la cabane qui est en bas, du coup. En bas, où il y a la rivière, et il est... elle est au centre. Et par contre, il y a des loups un peu partout, là. Ça c'est le danger. Et après il y a des cerfs et tout qui se baladent. Donc ça peut être ok. Mais ouais, du coup il faudra se balader. Après j'aime pas trop rester ici. Parce qu'en fait honnêtement c'est le bordel ici. Mais bon. Qu'est-ce que je voulais faire moi? On a plein d'allumettes. Ouais non, juste histoire de se réchauffer. Parce que je veux aller voir la petite la maison sur le côté là. Non, très bien. On va devoir faire un feu et faire cuire. Bientôt. Faut qu'on récupère la peau de l'ours, faut qu'on récupère plus de viande. Et on peut rester là indéfiniment pour le moment. Enfin, on va dire longtemps. Alors, je pense que je vais faire une ellipse après cet épisode. On va couper. Et je vais laisser passer quelques jours. Pourquoi? Parce que je voudrais faire des fûts de flèches, en fait. Des fûts de flèches, refaire mes flèches. Peut-être un nouvel arc. Donc du coup il faut que on laisse passer quelques jours pour que ça sèche. Je regarde s'il n'y a pas des trucs. Donc voilà, je veux passer un peu de temps ici. Donc du coup, on passera du temps un peu ici. Mais je vais pas vous le montrer parce que ça sert à rien. C'est pas intéressant quoi. J'ai pas ma lampe, donc faudra faire attention. Attends, je vois pas grand chose. Donc ouais, on va faire ça. On va faire ça, et après, quand je serai prêt, que quand j'aurai fait mon tas de flèches et tout ça. Pierre aiguisée, oui, la vache. Quand j'aurai tout fait, on repartira, donc on ira, bah du coup on descendra, on ira voir déjà la cache. Et ouais,
On verra un peu ce qu'il y a. I'll do anything for a drink right now. Ça va. Pièce sec de couchage. Rien du tout. Ok. Bon, bah à part du bois et du tissu, pas grand chose ici. Alors on peut encore attendre quelques heures là pour manger. Donc on va en profiter pour aller faire cuire la viande. Là. Je veux juste prendre du tissu parce qu'on en a besoin. Très très bien. Après, ce qu'on pourrait faire, c'est casser les caisses et tout ça, faire du bois, mais je voudrais déjà, parce que ça va, ça, c'est une heure hein, pour faire cuire les steaks. Donc je voudrais qu'on fasse ça déjà. Oui, oui, je sais. Et voilà, c'est un très très bon endroit ici. Par contre, oui, le problème, je crois que c'est le bois. En gros, il faut attendre, si on veut pas trop, si on veut rester dans le périmètre, je crois qu'il faut attendre les tempêtes, en fait, pour récupérer du bois, parce qu'il n'y en a pas énormément. Si je dis pas de bêtises. On est d'accord qu'il n'y a pas assez de lumière. Ouais. Attendez, ah peut-être que c'est considéré en intérieur. Ouais non, ça doit être trop brumeux. Je sais pas, pourtant ça a l'air d'être ok pour moi. Non, zéro. Ouais, c'est bizarre. Ouais non, ça s'assombrit un peu. Allez, d'accord, ça va. Qu'est-ce que... What? Ah non, il y a du vent! Oh, le foutage de gueule. Ah, attendez. Putain, mais t'es sérieux, je peux pas... Ou alors, on fait un feu ici. On peut faire un feu ici? Trop de vent. Feu de ma gueule, on est à l'abri, là. D'accord. Genre tu te fous de ma gueule. Genre là. Donc, du coup je pourrais pas me protéger en fait. Ouais, c'est un peu con ce que je fais. Je sais pas en fait. C'est parce que je veux. En fait, bon, il y avait plusieurs solutions. Ou j'utilisais le bidon pour faire du feu à 100%, comme ça on casse pas d'allumettes. Ou alors je fais un feu protégé. Le seul endroit apparemment où on peut protéger un feu, c'est ici. Mais du coup, je peux pas me protéger moi. Ce qui est complètement con.
Ouais, c'est un peu con. Je peux me protéger du vent. Ah, mais là, il est considéré en intérieur ou en extérieur? En fait, ma question, c'est est-ce qu'on va perdre du temps ou pas? Ouais, on va peut-être pas faire... on va pas le faire durer longtemps, en fait. 500... 600... Comment on veut ça? Ouais, je sais pas s'il est considéré, genre là, 24 minutes, faut voir. On est passé à 16. Ouais. Parce là, en fait, on aurait un bon feu, parce qu'on peut le mettre là-dedans, il risque rien, le feu. En fait, c'est que c'est mal protégé ici, c'est vraiment chiant. Ouais, on va continuer à faire de la nourriture, là, de l'eau et tout, parce qu'on n'a pas d'eau. Puis après, on va partir... on va mettre fin à notre épisode. Je crois qu'il y avait un peu de bois, là, de ce côté-là. Je suis pas trop sûr. Plein de cailloux. Ah, vous voyez, c'est quand même bien dispersé, hein, les petits bouts de bois. Hein. Et il n'y a pas trop de branches qui tombent, du coup, on peut pas vraiment en casser, en découper. Faites attention de ne pas vous perdre, par contre, en tempête. Jesus, it's cold. Ouais. Juste... Ah oui, on a un faitout, ça c'est bien, ça. Hop, 2 litres. Voilà. Et on n'a plus d'eau du tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça à poser. Là, on a des livres. On a notre lampe. Je vais voir si on peut pas casser des choses. Genre pour du bois, un peu de bois de récupération et tout ça. Normalement, on peut. Genre ça. Ok, très bien.
Ouais, je sais pas si c'était une bonne idée de mettre de l'eau, de un feu là. Ça fait un peu con. Mais bon, j'ai un peu... Ah, j'ai pas paniqué, mais j'ai eu un... ça m'a un peu embêté le fait que la torche s'éteigne. Parce que je pensais vraiment qu'on était bon. Point de vue vent. Et au final, non. C'est bête que les trucs à varier là, on puisse pas les mettre genre dans des containers, ça c'est vraiment chiant. Mais bon. Alors, par contre, les allumettes c'est un peu le bordel. Ça pourrait être un camp si jamais on veut revenir. Ça faut qu'on le garde sur nous. Alors les vêtements. Ça on peut le poser. Ah oui, les chaussures. Ça fait du cuir. Cuir séché 1h30. C'est beaucoup 1h30. Ça c'est du tissu, on s'en fout. Ça c'est du cuir je crois. 1h15 ouais. 1h15. Ok. Ok, très bien. Pas recyclé, oulala. Grand malheureux. 43 minutes, 27 minutes. Ah, c'est long. Hein. C'est long, c'est long. On a notre lampe ici. Et vu que je vais rester un petit moment, autant se... vider l'inventaire. Il faut que moi j'aille découper l'ours. C'est ça le problème. Il faut que j'aille vraiment découper l'ours. Eau potable. Eau potable. Ça c'est bien qu'on ait un fait tout. C'est vraiment bien. Voilà, très bien. On va faire, on va réparer nos vêtements un peu, vite fait. On essaye de ne pas utiliser les kits là pour le moment. Eau potable. Réparer. Oui, je dirais que le feu a l'influence du vent. Après, je sais pas s'il a l'influence vraiment du froid en fait extérieur extrêmement élevé, mais il a l'influence parce qu'il reste très longtemps comparé au temps qu'on passe. Donc ça, il nous faudrait donc des pots et des boyaux. Ça, c'est un problème. Ça ira. Je veux bien peut-être recycler. Enfin, j'en sais rien. Faudra qu'on les fasse.
Voilà. Ça défie la loi de la gravité. Au final, ça fait un peu con de laisser des bouteilles d'eau comme ça au froid. Honnêtement, ça devrait geler en fait, maintenant que j'y pense. Ça devrait complètement geler. Bon, nos vêtements, ça va. On a rafistolé ce qu'on pouvait. Je crois que ça aussi, c'est long. Ouais, 40 minutes, ça va faire plus d'une heure si avec le kit de couture. Enfin, pas le... Avec le... L'autre. Ça, on laisse. Ça, on laisse. Ça, on va le déposer aussi. On est à 33 sur 45, ce qui est très très bien. Ah oui, on a ça aussi. Ça nous fait une belle marge. Regardez-moi tout ça, oh là là. Faut absolument convertir en fait tout ça en fût de flèche. Faut absolument le faire, hein, parce que là on en a vraiment trop récupéré pour le... pour pas s'en occuper en fait. Et après, il faut qu'on fasse aussi un arc. Quoique mon arc il est encore bon, il est encore à 68%. Mais quand on repartira, on aura un arc en bon état, quoi. Ils sont débiles les temps. Sont débiles. Genre, ça, 2 heures pour 6, c'est cool quoi. Là, c'est 30 minutes pour 3. Là, 2 heures pour 6 aussi, la table. La table, c'est pareil que l'étagère, apparemment. Ah là là. Faudrait bien qu'ils retravaillent quelques trucs quand même. Hein. Le premier, ça serait pour moi vraiment la luminosité, ça j'en ai déjà parlé. Mais les temps aussi de certains objets sont un peu débiles. Hein. Complètement con. Ouais, ça s'est évaporé. Oh, attendez, 12 minutes, 12 minutes. Non, ça va. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre la peau. Déjà. J'ai peur que l'ours aussi disparaisse au bout d'un moment. Genre le cadavre, il disparaît. Donc je vais au moins récupérer la peau. Même si, bah là, ouais, là il va faire froid. Mais comme ça, ça sera fait et on pourra déjà la laisser sécher. Et après, petit à petit, je vais tout récupérer. Je vais tout récupérer petit à petit. Parce qu'en plus, il est tellement mal placé. Il est tellement mal placé. Ah. Ok, ça m'intéresse là. Ok, alors attends, là tu m'intéresses. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout découper. On va passer 2 heures à tout découper. Comme ça, j'aurai plus que les sacs à prendre. Et on sera bon. Parce que là, l'objet est gelé, donc on va le faire à la scie, pas de problème. Mais comme ça, ça va me... Parce que j'ai pas de boyaux non plus. Enfin, j'ai quelques boyaux, pas beaucoup.
Donc je voudrais récupérer les 10 boyaux là. Pour faire, pour réparer les vêtements, mais aussi pour faire du fil ou des conneries comme ça. Je crois qu'on va en avoir... Ah oui, on va en avoir besoin pour l'arc, je crois. Même si c'est un peu con, quand j'y pense, de faire un arc en boyau. Okay. Je vais juste me réchauffer 2 secondes, on va faire ça. Faudrait qu'on puisse le faire dans le lit, en fait. Comme ça, on se réchauffera encore plus vite. Oh, un truc qui serait sympa, ça serait... Alors, je sais pas comment on pourrait expliquer ça ou le faire, mais genre, qu'on puisse récupérer de l'alcool. Genre à boire, hein, je parle. Genre de la gnôle ou j'en sais rien, genre des alcools forts. Et en gros, on s'en servirait pour nous réchauffer. Genre ça nous donnerait un boost de chaleur, ça pourrait être intéressant ça aussi. Mais après vous faites un debuff, genre... vous savez quand vous êtes proche de la mort là, vous tanguez tout ça et vous avez du mal à marcher. Bah en gros ça te donnerait ça en debuff en fait au bout d'un moment. Ou genre vous prenez un coup d'alcool fort, ça ferait comme un café, ça fait un boost. Et genre pendant 24 heures, vous pouvez pas reboire par-dessus parce que sinon vous aurez un gros debuff en fait, quelque chose comme ça. Il y aurait plein de trucs à faire honnêtement quand on y pense. Ce serait vraiment intéressant. Oh putain, fait chier. Faut la dégeler. Voilà, dégelé. Donc du coup, je fais comment là? Ça fait 1h20. Ouais, pour 2h, je reste ça en fait. Et donc j'ai tout à redécouper moi-même après. Ça fait beaucoup. Là. Fait un peu froid. On peut pas être au niveau 5 là. Bon, on a récupéré tous les boyaux. J'aurais bien voulu récupérer de la viande aussi. Bon, on va se débrouiller avec ça. On va se débrouiller avec ça, c'est pas grave. Ah, j'avais oublié que c'est 75%. Je crois qu'une fois qu'on sera au niveau 5, je pense qu'on peut le faire à 100%. Je crois. Quand la truc est gelée, on peut quand même la découper, je pense. Mais ouais, il faudrait faire un feu à côté, en fait, pour la dégeler. Bon, après, si vous faites un feu de 20 minutes, ça suffit, hein, je crois. Tant que ça fait de la chaleur, c'est bon, ça marche. Je crois bien. Donc, voilà, on aurait pu, mais j'ai pas envie de balancer encore des allumettes, quoi. On va s'arrêter là, ça va être la fin de notre épisode. Et donc, sûrement, encore une petite pause, comme j'ai dit. Le temps que je me remette bien, genre qu'on sèche les bois. Je vais faire un peu un résumé de ce que je vais faire. Donc je vais sécher tous les bois qu'il y a. Je vais faire des fûts de flèches. Genre essayer de tout faire en fait. En théorie, ça sera moins lourd, je crois, d'avoir des fûts de flèches que les bois à transporter, je crois. Ou alors c'est plus ou moins pareil, mais au moins ils seront faits. On va refaire 6 flèches. Et après, les fûts, je les garderai sur moi. La peau de l'ours va prendre trop de temps à sécher, donc je crois qu'on va devoir se la trimballer. Mais on va la laisser se sécher un peu. Il y a la peau du cerf et tout ça, je l'utiliserai sûrement pour réparer mes bottes ou un truc comme ça, on verra. Mais ouais, ça sera tout, ça sera comme ça. On va faire ça. On va faire comme ça. Il me faudrait de l'eau. Ouais, je prendrai de l'eau la prochaine fois. Allez, à la prochaine, portez-vous bien. Ciao. Et ouais, j'essaierai de faire un petit résumé de ce que j'ai fait. Mais bon, honnêtement, il va pas se passer grand chose, que là je vais pas vraiment voyager. Je vais rester dans le périmètre. Mais voilà. À la prochaine, ciao ciao.